Salut à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez bien, je suis avec Sandar, et oui, c'est marqué Let's Play by Saran et Sandar, cette fois-ci, oui, le nouveau Let's Play après Pocket Morty. Oh, fin de la chanson. Paf. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu qui va s'afficher, et oui, Banjo et Kazooie. Un jeu de 1998, c'est marqué là, de chez Rare à l'époque. De quoi t'avais? J'avais 6 ans. Elle avait 6 ans, waouh, oh my god. Et moi j'avais du coup 7 ans, waouh, 7 ans. C'est un jeu qu'on n'a pas connu du coup à la sortie, je veux dire, moi je l'ai pas connu à sa sortie, hein, du tout. Et donc c'est un jeu, pourquoi on fait ce Let's Play de Banjo et Kazooie? Alors, déjà parce que c'est un jeu très cool, déjà d'une, de chez Rare, hein, comme je vous l'ai dit, et Rare c'est le top du top. Mais c'est surtout parce que, comme vous le voyez en dessous, c'est sponsorisé et approved by French Saba. French Saba qui est un abonné vraiment cool. Hein, on peut le dire, qui nous a offert, vous l'avez sûrement vu dans notre première vidéo de cadeau. Le cadeau d'abonnés, il nous a offert quand même une Nintendo 64 orange, le son est extrêmement fort dans l'oreille, orange cristal, oui. Il nous a offert forcément Banjo et Kazooie en boîte et Banjo et Tooie en boîte. Donc très content, donc suite à sa demande et parce que ça nous fait plaisir, on fait le let's play de Banjo et Kazooie, le premier. Sauf que du coup, on le fait sur émulateur. Hein. Désolé, on a fait ce qu'on a pu, mais je joue avec une manette de Xbox 360 parce que j'aurais adoré jouer avec la manette officielle. Mais le problème, c'est que c'est trop compliqué. Au niveau du boîtier d'acquisition, j'ai pas ce qu'il faut pour capturer la N64. Hein, merci David Brunet, avec ton boîtier de merde. Donc du coup, je fais sur émulation, c'est pas grave. Le jeu va être bon quand même. Oui. On va kiffer. Et du coup, c'est parti. Alors, la question qu'on se posait, est-ce qu'on fait des épisodes de une demi-heure ou de trois quarts d'heure? On sait pas. Alors, le premier va être de trois quarts d'heure. Ouais. Je baisse un tout petit peu le son parce que c'est en train de me péter les oreilles. Et du coup, vous n'hésiterez pas dans les commentaires à nous dire si c'est un peu trop long. Voilà. Pourquoi trois quarts d'heure? Parce que, le jeu est un peu long. C'est ça, le jeu fait à peu près plus d'une dizaine d'heures. Hein. Alors je vais faire exprès de pas le finir à 100% en chopant tous les petits trucs. Hein. On va faire l'aventure ensemble, sinon ça va être pas possible. Mais alors du coup, une dizaine d'heures, on a calculé, hein, c'est facile, mais ça fait 20 épisodes. Si on fait une demi-heure, ça fait un peu long comme série, sachant qu'il y a un épisode par semaine. Donc du coup, si trois quarts d'heure ça vous va, vous nous le dites dans les commentaires et on est parti. Voilà, premier épisode, trois quarts d'heure, c'est parti. Prestart. Voilà, j'ai bindé les touches là-dessus, normalement ça va le faire. Oui, toi, tu vas découvrir. Moi je connais, toi tu vas découvrir. Alors on a une longue cinématique. Which language do you like to use? Pour faire honneur à Saba. Pour faire honneur à Saba, on va le faire en français. Alors c'est parti. Bon, alors on vous lira pas les dialogues. Là c'est en assez gros quand même, donc vous réussirez à lire. Nous on les lira et on réagira. C'est parti. Fichier A, vide. C'est parti. Je suis content de faire un jeu rétro, ça me fait plaisir. Et oui, c'est le premier qu'on fait sur la chaîne du coup. Exactement. Très rétro pour le coup, hein, parce que 98... Ça commence à faire, ouais. La N64, c'est pas la plus vieille console possible, mais c'est quand même une très vieille console. Et là, on a la fameuse sorcière emblématique. Ouais. C'est là. Alors c'est... Moi, j'aime beaucoup cette console, j'aime beaucoup le design. Et pour moi, ça, c'est un jeu qui est juste magnifique. Pour l'époque, c'était sublime. Et ça l'est encore, je trouve que ça a pas... Ouais, non, ça a pas extrêmement vieilli. Et puis c'est très drôle. Ouais. Non, c'est des très très beaux dessins. Hein. Et même l'animation est belle. Ouais. Alors c'est les sons, peut-être qui sont un petit peu, voilà, too much. Je vais un peu augmenter le son pour nous, voilà. Alors c'est encore le vieux truc de la sorcière qui dit qui est la plus belle. C'est dingue ça, hein. Toutes les mêmes. Toutes les mêmes, les sorcières. Hein, n'est-ce pas? Toi t'es une sorcière, donc tu sais un peu... Comment ça y est, cette fille? Beaucoup la Belle au bois dormant. Blanche-Neige, je veux dire. Blanche-Neige, c'est ça, oui, tout à fait. C'est toutie. Oh, jeune et gentille, la plus belle de toutes. C'est vrai. C'est une très belle fille, ça. C'est juste un animal, hein, c'est pas grave. C'est hyper zoophile, mais c'est pas grave pour nous. Et moi, je suis bonne. Ah, oui, d'accord, ça va loin. Ah non, mais les dialogues en français, moi, je les trouve génial. Alors, ça va, dû les faire en anglais, du coup, tu vas les découvrir en français. Ah, oui, peut-être qu'ils les a fait en anglais, ouais. Ou les deux, peut-être qu'il a fait toutes les langues. Je ne sais pas. Et la voilà. La petite Blanche-Neige qui est blonde, du coup. La N64, c'était les sons...
la nouvelle génération de sons avec des chansons hyper hyper cool quoi. Là franchement au niveau de la pour l'époque au niveau de la qualité sonore c'était ouf quoi. C'était presque des trucs orchestrés et tout, orchestral. Ancestral. Et voici petit Banjo. Qui est un portrait. Ouais. C'était trop cool aussi l'animation des petites têtes de personnages à la place du nom pour les dialogues. C'est trop classe. Tu vois la petite sorcière. Ouais. Elle fait même des rimes et tout, elle parle un peu à l'envers et tout. Alors sur l'émulateur, en plus, vous voyez que le jeu, alors à part les polices qui pixelisent à mort, du coup, tout le reste, tout ce qui est vectoriel, quoi, tous les polygones. Sont agrandis à l'infini, donc c'est super classe, le jeu est très beau quoi, du coup sur émulateur. Ouais, c'est clair. Et comme ouais, tu dis, il y a juste les dialogues. Les dialogues. Ouais. Moche et gros, tu sauras. C'est pas gentil. On n'est pas moche quand on est gros, hein. Franchement, gros sauvage, t'as vu ça? Les dialogues, c'est génial. C'est violent. Ouais, c'est grave violent. De tout mon gras, tu hériteras. J'adore. Quelqu'un au secours! Alors, moi je dors comme une crotte. On est un peu nous deux le matin. C'est ça. Là, c'est pour ça que je t'ai mis ton nom en rouge, parce que toi t'es Kazooie, pour moi t'es l'oiseau. Ouais, c'est ça. Moi je suis Banjo, alors je me suis mis en jaune parce que c'était pas beau, mais voilà. Moi, je suis le gros balourd, hein, et toi t'es le petit. Allez, vite, ton café! ton café! Regarde, je me casse la gueule. Ouais, c'est tout à fait toi! Ah, le jeu va commencer. Pièce de puzzle. Allez, le jeu commence, mon gars. Oh. On peut sauter. Regarde les poubelles. Je sais plus si on peut faire quelque chose aux poubelles. Non, peut-être pas encore. Parce que de toute façon, j'ai pas toutes les actions pour l'instant. Oui. Faut que la taupe me parle. Voilà. Je me rappelle du début. Oui, le jeu au début, il fallait débloquer. C'est ça. Le pouvoir. Bonjour, mon ami. Mon nom est Bottle, la petite taupe. Bottle. Moi, c'est Banjo et voici mon ami Kazooie. Toujours dans le sac à dos, hein, c'est la représentation de Banjo Kazooie. Elle est dans le train, ta copine. Elle sait parler. Oh, mieux que toi. Mon bigle. Oh, papa. Que s'est passé? Où est ma sœur Tootie? Ah, c'est sa sœur. Ouais. Gruntilda, la sorcière toute laide, est descendue du ciel. Elle l'a enlevée. Alors, ce qui était marrant, c'est que les dialogues passaient tout seuls aussi. Hein. On peut pas. Donc, faut vite lire. Du calme, petit. S'en occuper. Tu vois, elle s'est envolée vers sa tanière. Donc toute l'aventure va être d'aller récupérer cette petite sœur. On a besoin de nous entraîner avant, comme d'habitude, voilà, il va falloir faire un petit peu de trucs. Appuie sur A si tu veux apprendre les mouvements de base du jeu, ou sur B pour te passer de mon Ned. Et ben on va appuyer sur A. Bah, on va recommencer parce que moi ça fait très longtemps que j'ai pas joué. En plus avec la manette j'ai besoin de... Explore les environs et cherche mes taupinières. Avec le marche. E... Ouais. Marche à ton côté et appuie sur B pour m'appeler. À tous deux. Suite. Ok, c'est cool. Alors du coup... Ah merde, je l'ai appelé. Trouver une autre taupinière et appuyer sur B. Ok, désolé. Je serai au rendez-vous. Ok. Alors est-ce que déjà on a... Déjà on peut pas recentrer la caméra ni rien. On peut pas bouger... Ah si, je peux un peu la bouger là, ça y est. Si, voilà, je peux recentrer la caméra, pas de soucis. Ok. Je me rappelle que ça c'était pour zoomer. Oui! Oui, mon gars! Ça, c'est bien pour l'époque, hein, le zoom. Grave. C'est pas sûr dans tout. Alors, y'a quelqu'un? J'adore. Voyons tout d'abord les mouvements de caméra. Ah bah tiens. Utilise les boutons C. Ok, tout ça n'a rien d'extraordinaire. Attends de voir ça. Ça piaffe. Appuie sur R pour placer la caméra derrière Banjo. Ouais, c'est ça. Super, c'est tout. Non. Maintiens R et la caméra restera derrière. Ouais, c'est ça. Ouais, je me rappelle un peu de ça. Petite fesse. C'est ça. Allez, rejoins-moi à la prochaine taupinière. Ok, c'est ça. Par où on va aller? Il faut maintenir ici. Pour garder la caméra. C'est ça. Là, je peux garder la caméra derrière, tu vois. C'est pas la meilleure des caméras, mais... C'est la caméra de l'époque. C'est un peu le souci pour moi dans les plateformes à l'époque, c'était ça. Dis-moi si tu ne sautes pas très haut. Les taupes savent sauter, peut-être. Putain, mais ils s'arrêtent pas de se vanner sur tout de ouf. Mais c'est tellement moi, cet oiseau. Hein. Ouais, maintiens le bouton A pour sauter plus haut. Waouh.
Allez, tête de plume. Aide ton copain. C'est un arbre. Saute puis appuie sur A une fois en l'air pour faire un double saut. Voilà. Trop mignon. Bon, on peut se casser maintenant. Pas encore, voici une technique importante. T'as pas autre chose à faire de chercher une copine par exemple. Oh là 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 là, très drôle. Maintiens le bouton Z et appuie sur A pour faire un flip flap. Alors le bouton Z, il va juste falloir que je me rappelle où est-ce que je l'ai programmé. Donc là, ok. Et le bouton Z. Maintiens Z. Mais je sais plus c'est quoi Z. Alors, attendez. Non. Z, Z, Z. Je sais plus ce que j'ai mis en Z. Je sais plus ce que j'ai mis en Z. Parce que Z c'était le bouton derrière. Et ben... Ah c'est ça. Du coup c'est ça. Ok, c'est bon. Tu connais maintenant tous les sauts. Entraîne-toi. Ok. Donc effectivement là on peut faire tac. Là un petit saut. Hop, double. Ok. Ouais, oh. Parce que ce qu'il faut savoir c'est ça ouais. Quand on fait un saut périlleux. Voilà. On va essayer là. Hop. Yeah. Ouais, il y en a un morceau de truc oui. D'abeille. Je suis une alvéole supplémentaire. Trouve 6 alvéoles et ta barre d'énergie sera plus grande. Ça c'est cool. Ah. Parce qu'effectivement, il va y avoir des ennemis les cocos. On va monter sur la plateforme là-haut, tiens. Avec la caméra qui passe dans l'arbre, oui, quoi, c'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Banjo. Il est temps de jouer du banjo. Utilise tes points, cool. Comment? Apprends-moi. Appuie sur B en restant sur place ou en te déplaçant doucement. Génial. Sur qui puis-je cogner comme un barbare? Pourquoi pas sur ton sale piaf? Oh là 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 là. Oh, quoi? Approche un peu pour voir. Je plaisantais. Cherchant quelqu'un d'autre. Ah bah d'accord, on va taper les carottes. Une carotte. Ah, ouais, voilà Topper. Allez, Banjo, tu. Oh bah super. Une carotte. On dirait un mec bourré. Hein. On dirait un mec bourré, il fait... Ah, je vais te taper, je suis pas bourré, je suis pas bourré. Et moi aussi, je veux faire des trucs et des machins. Ok, oh. Merde. Est-ce que du coup, ton... Merde, j'ai pas lu. Ah si, voilà. Plus et c'est maintenant la roulade de la mort. Je vais apprendre à voler. Cours et appuie sur B pour faire une roulade. Entraîne-toi sur Bowl. Sur l'oignon. Ça donne faim, ce l'oignon. Merde. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est dur. Hein. Salaud. Mais tu vises mal. Non mais... Oui, mon gars, les petits haricots qui sont sortis. Pan, dans les dents. Allez, encore un. Ah oh, bon. Arrête de rouler. Je vais vomir, tu m'étonnes. Mais il ne même plus. Ah non, il s'est rendu le dans le sac. D'accord. Nickel. Oui, il sort après. C'est maintenant le tour de la volaille. D'apprendre quelque chose, ok? J'espère pour toi que ça en vaut la peine. Ok, saute et appuie sur B pour faire l'attaque. Coup de bec, mais où est donc... Fully Wobble. C'est le nom de la salade. Oh, regarde. Ah, dommage. Ah. Ah, vas-y, mais ça... Trop classe. Pas mal. Coussin. Si, si, ça va, mais bon, après, faut se mettre dedans encore. Hein. Puis c'est la physique de l'époque, hein. Ouais. C'est pas forcément le plus évident de la vie, mais... Ouais. Mais non, mais là, je suis en train de faire de la merde. Voilà. Oh, une alvéole. Vous connaissez maintenant toutes les attaques de base. À la prochaine. Ok, ça c'est cool. Donc BBB la roulade, ensuite BBB, ensuite A, BBB pour le pic-pic. Et on a le BBB la roulade. Ouais, vache. Wow, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, frère. Attention. Oh. 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 Là, c'est carrément de la vie. Je suis sucré et plein d'énergie. Cool. Ok, là, il y a des cailloux. Avec des yeux.
Avec des yeux. Tu as besoin de ta copine à plume pour l'attaque bousculbec. Ok. On commence à m'aimer à ce que je vois. C'est tout. Maintiens le bouton Z puis appuie sur B. Ok, bien, un petit bug de texture, mais tu vois. Nickel. Tu vois, Banjo, elle est utile à quelque chose. Tu seras la prochaine cible pour Bigo. Easy. C'est trop bien. Mais tourne, tourne, caméra, tourne. On peut pas la tourner ici. Il y a des endroits, tu vois, on peut pas tourner. C'est ça qui est un peu perturbant en soi. Bon, après, ça va, ça se fait, mais. Est-ce que je peux attaquer ça? Non. T'as un trou de top. Ouais, mais attends. Ah, oh, 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 oh. Tu peux nager? Bien sûr que je peux nager. Tu peux aller sous l'eau? Je sais plus comment y aller, mais oui, je peux y aller théoriquement. Peut-être m'apprendre plus tard. Tu nages comme un chien. Je suis un ours. Ouais, mais tu nages comme un chien. Tu peux pas me dire ça, tu peux pas me dire ça. C'est violent de me dire ça. Je pensais qu'on pouvait nager. Bah attends, il va nous le dire, c'est obligé. Oui, je pense que c'est obligé qu'il va nous le dire. Bah moi j'ai le souvenir qu'on pouvait, mais après peut-être. Je pense qu'il faut aller là-haut. Allez, on monte, 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 on monte. Oh putain, ça monte. Oh, ça monte. Oh, ça monte. Elle va me dire la sorcière. Ah, on est à l'entrée de la sorcière, ok. Eh, vous allez là. On va casser le nez de la sorcière, mec. Et sauver tutti. Vous ne connaissez pas encore tous les mouvements de base. Elle va vous briser en deux. Ok. Ouais, c'est ça. On verra bien. Le pont est cassé, il sera prêt quand tu auras. Ça, c'était trop ça dans les jeux aussi. Ouais. Les ponts étaient cassés et ils se réparaient, tu sais, pour nous laisser. Il y avait plein de trucs comme ça. Ok, super. On va trouver toute la topinière. Donc, il nous en reste une par là. Wouah! Comment je pensais pas que j'allais faire ça? Alors, on peut utiliser qu'une seule fois le. L'attaque. Avec les ailes. Pour c'est voler, ça, ouais. Le saut avec les ailes. Le saut avec les ailes, le double saut. C'est ça que j'aurais pas. Je pouvais. Je savais plus. Je pas dit. J'ai un but. Mais ce n'est pas le paravoile de Link. Exactement. Mais j'ai eu 3 Zelda, c'est chiant. J'ai trop l'habitude de tous les trucs de Zelda. Il mélange tout. Faut le soleil sauver après sa Zelda, c'est ça? Banjo, j'espère que tu n'as pas le vertige. Moi, ça va. Apprends-moi à voler. Plus tard, plus tard. Banjo saute sur un arbre et utilise le stick pour grimper ou descendre. Oh! Cool! Ouais, ça va vraiment me faire penser à Zelda. Tu montes sur l'arbre, je montes sur l'arbre. Ça n'a pas marché. J'ai pas compris. J'ai pas compris, hein. J'ai pas compris. Sauter partout, j'ai pas besoin de sauter partout. Hein. Non, t'as grimpé partout. Peut-être que t'as des aliens. Tac, 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 tac. Allez. Oh putain. Vache. Vache, la voulais, ce truc. Oh, je peux monter là-haut aussi. Attends, d'abord, on va aller voir la taupe là. J'ai regagné de la vie, heureusement. Dès que tu tues un ennemi, tu reprends de la vie. Ouais. Ça te dirait de nager? Oui, oui, oui. Oui. Mais je vais être tout mouillé. Bah, oh. Oui. Allez, Banjo. Ok, j'ai envie de me baigner par le petit. Ok. Utilise le stick pour nager à la surface et appuie sur B pour plonger. C'était allez. Pas encore activé. Ouais, c'était parce que c'était pas activé. C'est j'ai essayé. Ça y est, tu as appris tous les mouvements de base. Viens me voir au sommet de la montagne, perché. Ok. Déjà lui, il va me saouler. Ouf, moi, je m'en fous, machin. T'es... Et du coup, ça donne même pas en plus. Ah non! Non, non, là, c'est vraiment pour récupérer de la vie. Alors que les alvéoles, quand j'en ai 5 ou 6, là j'ai pas bien vu, je sais plus. Oui, il y a un truc. Ouais, et ben ça me rajoute un emplacement en fait. Ah! Allez, je veux plonger là. Allez, plonge, plonge. Une fois sous l'eau, appuie sur A et Banjo battra des pieds. Ou sur B pour que la petite caille batte des ailes. Ah, il se pose un petit peu dans le voilà. Ils sont lents. Qu'est-ce qu'ils sont lents? Ah, donc la caille elle va plus vite. La caille va plus vite, exactement. Regarde ça quand je saute. Ouais, mon gars. Ok, j'ai envie d'aller là-haut. Avant d'aller voir la petite sorcière de mes fesses, là,
J'ai envie d'aller voir. Oh putain, mais voilà les ennemis. Les carottes partout. Les carottes partout. Carottes. C'est donc pas un gratin de pommes de terre. J'ai pas compris le blague. C'est OSS 117. Ah, je m'en rappelle pas du tout. C'est d'un coup, c'est de, dans quel moment dans OSS 117? C'est avec. Il y aura tout le gratin de merde, quoi, ça s'appelle du coup. C'est la ville qu'a. Ah oui, à, au Caire. Oh, je sais plus. Mais... Non, c'est pas le Caire. Ça ressemble à la carotte. Ah, le carotte. Tout le gratin carotte. Voilà, c'est tout le gratin du Caire. C'est ça. C'est voilà. Ça, mais oui, je m'en rappelle de ça. Attends, c'est quoi déjà? C'est ça et. Ah. Ok. Et du coup, lui, c'est donc pas un gratin de pomme de terre. Comment je fais? Bon, tant pis. Tu vois, c'est sur ce genre de truc qu'il faut pas que je commence à perdre du temps. Parce qu'on a un let's play de 172 heures à faire. Donc, c'est pas le petit truc d'alvéole qui va me changer ma vie. Alors, de toute façon, je suis trop doué. Et du coup, oui, il y aura tout le gratin carotte. Je me rappelle trop bien de ça. C'est vrai, c'est. Ce n'est donc pas un gratin de pomme de terre, exact. Et puis, il rigole tout seul. Comme les boules. Ouais. Les boules de Noël. Les boules de Noël. Ok, non, mais c'est les références cinéma. Hein. Laisse tomber. Hein. Il y en a partout. Il y en a tout le temps. C'est à cause de Gégé. Ok, c'est parti. Les poussins. Vous êtes prêts à découvrir l'antre de la. Un sorcier. Oui. Tu parles. Par où va-t-on, mon bon? C'est vrai qu'on voit pas trop par où aller là. J'ai réparé le pont. Tu peux ainsi accéder à la tanière de Grundtila. Grundtila. Merci, Botley. Je serai à l'intérieur pour vous aider. Bonne chance. Thank you. On a les violons. Ah, c'est dégueulasse, on rentre dans sa bouche. Ça va puer de la gueule. Ma gueule. Wow. Bah, qu'est-ce que fait l'intérieur? Bah, elle téléporte la graisse. Téléporte la graisse. Ouais, par contre, elle est un peu grosse. Ah, oui, d'accord. Cette alors, machine est une merveille. Je serai jeune et toute vieille. Laisse-moi partir, vieux machin. Mon frère va tenir. Va venir te botter les fesses ou je sais pas quoi. Mes monstres le feront souffrir. Te feront souffrir dans mon repère. Il va périr. Vite, Clonko, appuie sur le bouton. Push the button. C'est d'être un laidron. Push the button, Grunko. Oui, mes très chéris. Mise en marche. C'est parti. Oh la vache. Ninja, au secours. Elle va être moche. J'ai envie de la voir moche. Mais... Tu la verras jamais. Ah, j'aime bien le. Ouais. Les trucs, ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est parti. Il mourra et moi, je ris. Ok. Donc, on a un magnifique portrait de Madame Kazooie. Magnifique. Ok, par là on a un truc, et par là on a un truc, et là on a un truc, et là on a un truc. Pièce de puzzle. Coucou, je suis une pièce de puzzle. Va vite chercher un tableau avec une pièce manquante. Ok. C'est un peu une clé quoi. Il l'a bouffé l'oiseau. L'oiseau l'a bouffé quoi. Je savais pas que les oiseaux ça mangeait des puzzles. Bien sûr que si, ça a toujours mangé des puzzles. Est-ce que le tableau il manque une pièce? C'est exactement ce que je me demandais. Non, ça n'a pas l'air. Faut juste falloir que je règle pour le prochain épisode si je peux. Parce que c'est inversé les joysticks. Mais c'est souvent ça sur les anciens jeux. Je sais pas si ça se règle. Eh. Hey, il manquerait pas une pièce ici? Vas-y, non. Tu viens de trouver une pièce de puzzle. Vraiment chaud sur la dent. Ok, pour accéder au monde du tableau, tu dois remplir. C'est ça, les espaces vides. Je me rappelle de tout ça, avec les pièces de puzzle. Ok. On a la première pièce, gros naze. Mais arrêtez de vous insulter, c'est quoi ce délire? Très bien, pour remplir l'espace vide, appuie sur A. Pour ne pas utiliser la pièce de puzzle, appuie sur B. C'est ça. A. Yes, on a un nouveau monde. Oh cool. Non, c'est pas là non. Non non mais je. Ah pardon. je regardais s'il y avait un truc, je sais pas, je suis comme ça. Donc la porte est ouverte, je sais pas si on y va tout de suite. On va peut-être monter vite fait. D'abord, attends. Elles sont belles les fleurs. Ouais. La musique est vraiment bien. Ah, la musique est géniale. Moi j'ai toujours adoré. Allez bonjour Kazooie, de toute façon la musique est géniale. Oh bah d'accord, ça c'est un truc pour descendre. Oh bah dis donc. Bon bah écoutez, allons à la montagne. Hein.
Oui, c'est... tu viens de la bouche, hein. Tu viens de là en fait. Non, je j'aime viens... les huîtres et le jambon. Chez moi, il y a plein de cochons. Hey, c'est ponctué de phrases comme ça tout le temps, tu vas voir quoi. J'aime bien, j'aime bien. C'est-à-dire qu'elle pue de la gueule, en gros. C'est ce que je t'ai dit, hein, quand on est rentré là, on sentait bien qu'elle puait. Ok, donc là on a des ennemis de bâtards. Là où on a la tour. Toujours observer avant de partir. Là on a une petite meuf mignonne. Derrière on a rien, à part des gros pixels. Ok, et eh bah c'est parti mon kiki. J'espère que des trois moments spéciaux sont à découvrir dans ce monde. Non, 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 c'est pas celui-là. Mais non, mais si. C'est ça. Wow. Voilà. Comment j'ai géré. Grandila, emprisonné, 5 Chinko comme moi dans chaque monde. Ok. 5 dans chaque monde. Oh, mais je ne les trouverai jamais. Libère-nous et tu auras une pièce de puzzle. Merde. Mais non, mais j'ai cru que c'était bon. En fait, c'est le problème de la... de la perspective, perspective en fait. Ouais. C'était pas très doué à l'époque. Quoi. Je suis l'une de ces 100 notes de musique de ce monde. Trouve-nous toutes pour ouvrir les portes numérotées. Ok. Bah, du coup, hein. Ok, ça glisse. Trouve-moi et je t'apprendrai à escalader. Les pentes. Ah, bah oui, ce qui nous permettra d'avancer dans le château. Comment je l'ai niqué. Ah, ah, j'ai trop fait mal. Ok, ok, on a une petite pousti mini mio. Jeu bizarre aventure. C'est vraiment laborieux sous l'eau. Ah, et puis la musique, elle est moins forte. Ouais, elle est moins forte. Ouais, c'est laborieux sous l'eau, c'est laborieux sous l'eau. Oh là 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 là. Oh là là. Allez, mon gars. Tu peux le faire, merci. De toute façon, ta respiration est assez grande. La respiration, je vais reprendre du coup, pour le coup. Est-ce que je peux prendre le coquillage là? Oui, je pense. Vu comment il est... comment dire, pas pareil que le reste. Non, il est... Ah non, non c'est non. De la déco. C'est de la déco. C'est marrant. Allez mon gars. Toi qu'il faut prendre 3 notes. Allez. En même temps, les notes, je sais pas du tout si ça va nous servir à grand chose parce qu'on n'est pas obligé de les prendre. Donc, on va peut-être pas prendre les notes parce que ça, ça veut dire qu'on veut faire le jeu à 100%, ce qui n'est pas notre cas. En même c'est temps. Les portes numérotées, donc je sais pas. Après. Non, je pense pas que ce soit. C'est vraiment des stages bonus, de ceux dont je me rappelle. Hein. Ah oui, d'accord. Pierre, on sait à sous. Où est-ce que. Oh, un taureau. Ah le bâtard. Le taureau, il t'a fait mal. Salaud! Oh le salaud! Mais non! C'est pas vrai ça! Ça va me faire chier! Ça va me faire chier longtemps, moi je peux te dire! Est-ce qu'il y avait autre chose ici? Bah il faut que tu trouves la topinière pour apprendre à escalader. Ouais, ça c'est sûr. Mais là on n'y est pas du coup. Ah ça c'est chiant que ce soit inversé le joystick, j'ai trop du mal du coup. Ok c'est bon. Je pense que je vais le taper par l'arrière. Mmh. Wouah. Attends, il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Ah il est pas mort. Pas le salaud. Laisse-moi tranquille. Ah. Si je te touche pas, toi. J'ai un peu... Non, mais j'ai besoin de vie à un moment, quoi. Ils sont marrants, les gens là. Mmh, salaud. Salaud de taureau. Bon, on va passer à essayer de s'y friter parce que là, le taureau. Psst, 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 psst. Oh là, il y a un crabe. Il y a un peu de tout ici, hein. Non, c'est une fourmi. Ah, t'as pas vu que c'était une fourmi? J'ai cru que c'était un crabe. Ah, c'est ça le crabe que t'as dit. Je pensais que tu disais un crabe quelque part, tu vois. Je t'affronte dedans. C'est très très belle les fourmis. Oh, si, elles sont belles les fourmis. Moi, non. Je trouve trop belle. Ok, alors attends. Hop, 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 par là. Le village de merde. Ah,
là, il y a une taupe. Arrête, bouge mon siège. Wow. Ok, il y a une crâne, tête de mort, nickel. Voici l'attaque dite bec assaut. Saute, puis appuie sur Z pour que Kazooie écrase le sol avec son petit bec d'amour. Je tiens mon bec d'amour, moi. Ok, tant pis pour toi, cette technique est vitale. Ok. Ok, petit bec d'amour, tu auras ma gueule. Moins bon pour manger, Mambo. Mambo Mambo 5. Nous, Juju Totem de Mambo, nous vouloir manger pierre bleue. Pierre bleue? Ça me dit rien du tout là, je m'en rappelle plus du tout. I don't remember la pierre bleue. Oh. Yes, c'est le magasin. Exact, putain, je me rappelle. Moi, Mambo, moi, grand sorcier, moi et des amis, Banjo et Bestiole avec plume pas propre. Oh. Ah, j'adore. Ok, donc les crânes qu'on trouve, effectivement, ils vont m'aider. Banjo, pas assez gris-gris, regarde, pancarte et reviens pour magie Mambo. Ok, donc 5. 5. Ok, et là il faut que j'arrive par contre à choper la pièce de puzzle. Ça c'est une autre affaire. Non. Oh, beau! Trouve 10 pièces de puzzle dans chaque monde et nous t'aiderons dans la tanière de la sorcière. Ok. Si tu désires sortir de ce monde, retourne au départ et marche sur la dalle de sortie. Ok. Faut que je trouve les pierres bleues. Ah, puzzle. Ça valait le coup de descendre, parce que la puzzle, elle est bien pratique. Mais il est où le truc pour m'apprendre là? La taupe là. Elle m'a dit ah vas-y viens pas. Là, je vais t'apprendre un truc mon gars. Oh. Comment je gère ma race? J'atteins des endroits que je faisais même pas exprès d'atteindre. Oh non ça! Le gorille de merde. Nya, pas touche à arbre de conga. Moi frapper ours avec orange. Alors là le but c'est de prendre les oranges. Le but c'est qu'il envoie. Voilà, pas les oranges. Aux algues de conga. Non mais non, là. Merci, merde de me faire mal, pitié. Hé conga bien désolé. Voilà. On se malin trouvé. Hors de conga. Ah mais c'est. Eh oui, c'est Diddy Kong. Allez, je te veux Diddy Kong. Pour moi, c'est Diddy Kong, tu vois là. Ok, là. Tu vois le Diddy Kong là? Tu le vois le Diddy Kong? Oui! Champi a faim. Champi veut une orange, vite. Comment je suis censé faire en fait? Pour choper une orange? Comme ça. Pas touché aux oranges. Qui a volé? A volé l'orange de Konga. C'est pas moi! Oh, Chimpy aime orange de conga. Chimpy est des gros ours et drôle d'oiseau aux plumes de merde. Oui, je veux que je monte là-dessus. Oui. Et à mon avis, c'est les pierres bleues, c'est ça. C'est ça, hein. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de sons différents dans ce jeu. Ok, alors attends. Non. Ok, attends. Oh putain, j'ai trop du mal. Non, je n'arriverai pas à monter comme ça. Non, non plus. Wow, comment je gère ma race? Ça me désole. Kazooie peut apprendre à nous lancer. Bien, wesh, mon gars. Donc, par contre, avant d'aller là-haut, je vais appeler la petite taupe. Oh putain, je crois qu'elle va me faire tomber. Ok, il est temps pour toi, l'oiseau, d'apprendre la technique des œufs. Ça.
Je t'écoute, mon petit bouchon de Liège. Maintiens le bouton Z, puis appuie sur CO pour cracher un œuf. D'accord. Waouh, c'est cool. Par derrière. Ça va faire mal. La petite caille peut porter jusqu'à 100 œufs. Ah oui, c'est une véritable arme. 50 œufs. Oh my goodness, it's amazing. Ton énergie est faible. Je vais ranger ça. En plus. Mais dis donc. Donc j'appuie sur Z. Ouais. Mais merde, j'ai pas sauté. La musique est vraiment bien. Et ta mère? Ok, mon gars. Oh putain. Ah, ok. Oh putain. J'aime pas les trucs comme ça. Parce que... Ok. Ah. Je dois faire quoi là? C'est absolument pas. Attaque pic-pic. Ah. Ah non. Si, ça l'a enfoncé. Ah oui. Voilà. Ah, il y a une pièce là-haut. Mais faut que j'apprenne à monter sur les trucs. Ouais. Ah, mais j'ai géré. Content. Content. Content, Mathieu. Merde. Putain, je suis tombé. Attends. Ouais, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça... rentrer. Okay. Non, c'est des œufs. Non, c'est des œufs. Oh le bâtard. Ok, faut que je fasse encore. Faut que je fasse encore, faut que je fasse encore. Non. Trop loin. Oui mais I know. Mais c'est chiant, pourquoi ça fait ça? Il glisse. Il glisse sa mère. Arrête de glisser sa mère. Non. Non, déjà j'ai pas dit ça. Non. Je n'ai pas dit ça, on va pas passer 3 heures sur un saut. Mais c'est pas possible. It's not possible. Je pense que quand Saba va te regarder là. Eh, c'est pas évident, hein. Je vous jure, c'est pas évident. Vous pensez peut-être des trucs. Ah oui, mais son ami, moi, m'a dit qu'il faisait Banjo et Kazooie les yeux fermés. Les yeux fermés? Ouais. Ouais. Finger and the Puppet. Finger and the Puppet, ouais. Ah non! Oh! Oh là là! My god, je sais plus c'est quoi, faut appuyer. Je sais plus c'est quoi, faut appuyer. Ah, c'est bon. Fais mal avec ses bah, est-ce que je peux le tuer au moins? J'espère. Mais ce qui manque dans ce jeu, c'est un peu une barre de vie. Ah, si, elle est là. Non, mais des ennemis. Ah oui! Ah, je vais mourir, je vais mourir. Ah, papa, bon, je suis obligé de laisser tomber là, je suis obligé de laisser tomber parce que là. Attention à la chaise! Wow! On a une sandeur sauvage là qui nous a fait un coup pas sympa. Ok. Alors, attends, hop, il va voir lui. Il va voir si je peux l'atteindre. D'ici. Comment ça, non? Non! Mais vas-y! Oh là là, c'est abusé. Est-ce qu'il meurt au bout d'un moment? Oh, aucune logique, hein. Le truc, je suis mort, alors... rentre chez toi et laisse tomber. Mais sûrement pas que je laisse tomber. Ah, c'était... Je pense qu'il faut lui sauter dessus après. Ouais, quand il est à plat. Ok. Hors du monde, mais les 31 notes que tu as récupérées comptent comme étant ton meilleur score. Essaye de trouver les 100 notes de chaque niveau pour ouvrir les bains. Ok, on va recommencer ça. On va y arriver. On va y arriver. Vé. Ouais. Ah mince. Tu veux que j'aille chercher maintenant la rose?
comme ça c'est pas. Ok, if you want, if you want. Et comment je t'ai eu mon gars? Oh! Hello! Easy, so easy. Mais les trucs qui pop au dernier moment. Ah bah ça oui, par contre c'est comme ça. Les jeux d'époque, il n'y a pas le choix. Hop là. Oh, sympa. Wow. Wow. Petit crâne en bas. Bon, ici c'est easy. Cool, j'ai perdu mon total de notes. C'était pas très dur. Oh, oh c'est méchant ça. Oh, oh Sandar, elle est méchante. Ah, t'as gardé tes crânes du coup. Ouais, j'ai gardé mes crânes. Ok, les petits œufs. Oui. Il est où le taupe? Alors qu'est-ce que tu vas m'apprendre Topinou? Alors le turbo sprint permettra à Kazooie d'escalader certaines pentes. Ok, cool. Comment fait-on? Alors je maintiens le bouton Z et j'appuie sur C gauche. Dirige ensuite Kazooie avec le stick. Wow. C'est compliqué ça. Ouais, ça devient compliqué. Ok, alors appuie sur Z, c'était gauche. Non, ça marche pas. Ok, alors là, je vois pas du tout. Ah non, c'est Z, c'est ça. Ok, ensuite je dirige. Oui, c'est ça. C'est une patte. Ah, c'est trop cool. Hop, on regagne de la vie, tranquillou. Est-ce que je peux monter là-dessus? C'est des pentes, hein. Non, non, je sais bien, je parle pas par rapport à... Enfin, je parle pas par rapport à la pente. Technique. Je parle, est-ce qu'il y a une zone, tu vois? Non. Ah, 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 ah. Il faut malinx, avoir l'œil, malinx le lynx. Hé, gros toi. Ta gueule, toi. Tu lui as pas essayé de t'en parler. Bah non, bah attends, il m'attaque. Bah, il allait m'attaquer. Bah, il t'a traité de gros toi. Surtout, ouais, moi... Quoi? Que? Que? Alors, maintiens sur Z et sur stick gauche. Oh, oh, ça glisse. Oh là, ça glisse. Mais comment je peux faire? Faut aller vite, je pense. Tu penses? Oh, ça va être infaisable. Ouais, c'est chaud parce que la caméra suit pas. Ah non, la caméra elle suit pas du tout. Stick gauche. Ok, stick gauche. Ah. Ah. Oh la vache, ça va être chaud du cul. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça va être chaud time. Je sais pas si je vais y arriver. Bah non, on peut pas en fait. Ah non, on ne peut pas. Je pense pas qu'on ait la technique encore. Ah oui. Ah oui, Michel, oui, tout à fait. Ah, c'est chaud. Ah non, non, c'est pas possible. On ne peut pas encore. On n'a pas appris sur les pentes comme ça à marcher. Je glisse automatiquement, donc ce n'est pas possible. Alors du coup, là-haut... C'est les pierres bleues, là. J'arrive toujours pas à savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, mais c'est vrai. On peut détruire les cases avec Pic-Pic. C'est quoi les cases? Avec Pic-Pic, non. Donc, tu penses... Ah, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Donc... Ah, trop doué, trop doué. C'est moi qui ai écrit le jeu. C'est toi? Ah, c'est toi qui as écrit le jeu? C'est 6 ans. Tu m'as jamais dit ça, mais c'est hyper intéressant que c'est toi qui as écrit le jeu. Bon, c'est fini. Je voulais juste voir si on pouvait refouter un coup. Bang, mon gars. Des œufs. Ah, est-ce que les œufs, c'est ça qu'il faut tirer? Ouais, est-ce que c'est pas les œufs qu'il faut... Oh là.
Ok. Moi j'ai toujours peur. Ouais, oh putain. Tout va bien. Oui. Il m'en manque plus qu'un. Ouais. Ça qui est bon. The yellow one. Oh. Reviens là, reviens là. Ah lui. Bonjour. Je suis une vie supplémentaire. Bonjour la vie supplémentaire. Une pièce de puzzle. Yes. Pam pam. Pam pam. Mec, c'est que c'est trop. Alors attends, comment on peut faire par contre pour. Pouf. Comment je peux faire déjà pour tirer? Stick droite? Non. Gauche? Non. C'est pas ça. Non. Non. Ça a pas l'air d'être ça, ou alors je vise très mal. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, et puis en plus c'est pas logique parce que comment tu veux que je tire là-haut moi? Ah ouais. Ah si, peut-être en venant de là-haut. Ouais, mais non, c'est chaud. C'est chaud. On dirait le bruit de TARDIS, hein. Ouais, d'accord, on dirait le TARDIS, quoi. On dirait le TARDIS. Bon, écoutez les amis, ça fait 45 minutes, donc on va se laisser là-dessus, sur cette zone-là. On se retrouvera de toute façon dans cette zone-là pour continuer l'aventure la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, hein. Faut que ça vous plaise, sinon c'est con, hein, c'est dommage. Et voilà, donc laissez-nous un petit pouce bleu pour nous soutenir, un commentaire, ça fera très plaisir pour ce nouveau let's play, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À la semaine prochaine pour l'épisode 2, sur ce bruit de TARDIS. Bisous.